Choose to tell him what you said, bruh. Me, Juicy J, got too many hoes. Me, Juicy J, got too many flows. Click ballin'. Salut à tous les gens, c'est 238 Abel. Alors, on lance pour une toute nouvelle vidéo. Donc la vue de la gars, aujourd'hui ça va pour vous présenter un tout nouveau glitch sur Tessa Colline en mise à jour 1.31. Donc le glitch ça sera pour avoir le torse et les bras invisibles. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus, ça me ferait super plaisir. Et donc bah pour commencer le glitch, vous devrez vous rendre à un magasin de vêtements. Une fois au magasin de vêtements, vous devrez aller dans les tenues standard et mettre la tenue le quartier, donc c'est une tenue standard comme ça. Une fois que vous l'aurez mise, donc vous irez directement la sauvegarder. Donc moi, vous allez voir que je vais la sauvegarder avec comme nom GG. Donc je me suis pas cassé la tête. Hein. Une fois qu'elle est sauvegardée, donc vous faites retour et vous allez devoir vous diriger dans les hauts. Une fois dans les hauts, donc vous devrez descendre jusqu'au gilet de braquage et aller prendre le gilet de braquage furtif. Une fois que c'est fait, donc vous devrez posséder un ami qui lui a créé une organisation de gros bonnets. Il va devoir vous inviter dedans. Et une fois bah, que vous avez rejoint, donc lui va devoir aller sur les styles et s'apprêter à changer quand vous lui direz. Donc le temps, vous allez aller dans les accessoires et les gants. Et vous allez commencer à changer les gants pendant que votre ami, à lui, va devoir changer les styles. Donc pendant qu'il change les styles, donc vous allez changer les gants. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va vous faire bugger. Et donc ça va vous mettre les torses invisibles. Donc vous voyez comme moi dans le gameplay. Donc j'ai un petit peu galéré, mais bon après, faut un peu de temps. Et donc une fois que vous avez les bras invisibles, donc vous redescendez vers les hauts. Et vous allez dans les gilets de braquage, vous mettez aucun gilet de braquage. Et donc là vous pourrez voir que le ventre, enfin le torse et les bras seront invisibles. Enfin complètement invisibles quoi. Donc vous pourrez changer le bas, la casquette, tout ça. Mais vous, par contre vous pourrez pas changer les gants. Mais vous pourrez mettre des chaînes, des gilets pare-balles, etc. Et donc, sur ce, gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter et à liker la vidéo si ça vous a plu et si ça vous a aidé. Et sur ce, ciao tout le monde. Peace.